Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix, et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe, et oui, notre petit escroc est arrivé ce soir, en ce bon jour du 16-12-2016, et oui. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous offrir. Bon, moi j'ai déjà regardé, hein, comme d'habitude, parce qu'il y avait un petit truc que je n'avais pas, donc que j'ai pris. Mais du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il vend, ce petit escroc national, international même, interplanétaire, oui. C'est le mot juste, interplanétaire. Et du coup, vous conseillez ce que vous devez prendre un peu en priorité, etc., etc. Donc, eh bien, écoutez, on va aller voir. Et oui, ma petite Nova. Et oui, petite dédicace pour Tigresse qui adore ma Nova. Donc voilà, la voici. Elle est là. Elle est toute belle. Ouais, elle est contente. Elle tourne. Elle est heureuse. Allez, bref. Allez, Nova, je suis désolé. Je vais te déranger un peu. Oh, mon petit barreau. Yeah! Oui, moi aussi je t'aime, Baro. Mais ça, voilà. Donc, eh bien, on commence par, comme d'habitude, cette petite quête, le schéma des sables d'Inaros. Donc, bah, comme d'habitude, hein, comme je crois que je le ferai tout le temps. Eh bien, si vous ne l'avez pas, prenez-la. Voilà, c'est toujours la quête à faire. En plus, Inaros est top. Donc, sincèrement, prenez-la. Alors, voyons voir. Donc là, il y avait la Syandana qui tire Solstice. Donc, c'est celle-ci que je n'avais pas. Donc, que j'ai acheté tout à l'heure. On a l'aspect Scimitar Prisma, on a le masque de sentinelle, tête mèche, mec, Prisma. On a le Veritux Prisma, on a main rapide accrue, on a à portée accrue. On a les boucles d'oreilles qui tirent, les boucles d'oreilles solo qui tirent. Et oui, donc ça c'est pour les opérateurs. On a l'armure cavate qui tire, là c'est pareil, il y a beaucoup de qui tirent. Le petit atteinte accrue, et oui, celui-là, il est intéressant. Et le pack de mode dragon et le pack de mode faucon. Bon, alors ils nous vendent pas non plus du rêve, hein, c'est pas non plus la jouissance extrême. Bref. Mais par contre, il y a quand même 2-3 modes à récupérer. Et le Veritux Prisma. Donc moi personnellement, si vous n'avez pas grand chose en Duca ou même en crédit, sincèrement, je vous conseille avant toute chose de récupérer ma rapide accrue. À portée accrue et atteinte accrue, ça c'est clair. Après, pour ce qui est du Veritux Prisma, et bah écoutez, si vous êtes fan des Arcwings, et bah écoutez, de toute façon, il faut le prendre. C'est toujours une arme à XP, plutôt pas mal non plus. Après, niveau des skins, bah sincèrement, l'aspect scimitar qui est plutôt pas mal, donc ça c'est vraiment en secondaire si vous avez déjà les modes. L'aspect scimitar est plutôt pas mal. Bon, après, tout est pas mal, hein. Même la Syandana, je la trouve plutôt jolie, hein, pour une Syandana qui tire. Parce que les Syandana qui tirent, en général, je les trouve pas super belles. Celle-ci, vu que c'est l'aspect Noël, c'est plutôt... Enfin, l'aspect hiver, c'est plutôt pas mal. Franchement, elle est assez jolie. Voilà, là, on la voit ici, elle est... Ouais, elle est pas mal. Donc voilà. Donc après, ils nous vendent pas non plus du grand rêve. Hein, mais il y a des modes quand même intéressants à récupérer. Donc, je vous répète, hein, donc, atteinte accrue, à portée accrue, le main rapide accrue. Et puis, bah, si vous pouvez vous prendre le Veritux Prisma. Eh bien écoutez, prenez-le, ça vous fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça vous fait toujours de l'XP pour la suite, pour le Mastery. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ouais, parce que notre petit barreau... attendez, pourquoi tu pries comme ça? Mais non, je veux pas te monter sur la tête. Bon, il veut pas. Voilà, t'as raison, il fait des manipulations bizarres. D'ailleurs, il flotte. Ah non, non, je crois... Ah si, oui, regardez, il flotte. Il évite en fait, ouais, c'est un petit malin. Mais en tout cas, il est content, il se touche bien, bien les mains. Qu'est-ce qu'ils vont me donner comme Duca aujourd'hui? Donc bref, voilà. Et bien écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine. C'était Castelix, les amis. Ciao, ciao.